Ça grimpe par ici, ça grimpe. Alors, eh ben dites donc, on se croirait dans une station de ski dans les Alpes, comme ça grimpe. Bon, la neige en moins, hein, ou de la neige fondue. Bah, c'est... on va tout avoir. Ok, alors, ah, c'est là. Pardon, j'avais pas vu l'échelle, excusez-moi. Je suis pas pompier, moi. Hop. Encore ? Ah, qu'est-ce qu'ils aiment bien monter sur les toits dans ce jeu ? Des blocs de pierre, c'est encore en construction. Ouh, du loot, du loot, du loot, du loot. Ils ne veulent voir personne s'approcher de la transaction. Trouve les cristaux non protégés et on pourra passer. Ah, ça y est, c'est reparti pour le jeu du cristal. On va péter du cristal. Tu sais que c'est 7 ans de malheur, normalement, à chaque fois que tu pètes un cristal ? T'es au courant ou pas ? Vas-y, il est en dessous. Vas-y, il est en dessous. Eh, mais je vais me casser la gueule si je fais ça. Attends, faut que je redescende là. Ah merde, pardon. Ouais, ouais, bon, c'est bon. Ah, ça va, allez. Hop. Il doit en rester un. Bah oui, il est là-haut. Voilà. Le jeu qui me met attaque à distance, mais t'as pas l'impression que je suis au courant quand même depuis le temps ? C'est bon. Putain, je te jure. Traversons la barrière. Faut qu'on avance. Car Georges est gros, Georges est roux, Georges est lourd, mais Georges sait passer les barrières. Bonjour, bonjour et bienvenue au... Il y a du monde, il y a des voix, c'est moi qui cause, tu me laisses faire mon intro s'il te plaît. Bonjour et bienvenue au Vieux Gamer, ici c'est Papy sur Dragon Age, la vieille garde, les aventures de Georges le Moche. Georges le Moche, Georges le Roux, Georges est là, Georges est beau, Georges est doux, mais Georges est très très lourd. Votre relique. Les dieux se réveillent et le pouvoir est avec eux, pour la gloire et la renaissance de Tevinter. Albin est notre acheteur. Et un Venatori. On dirait bien que le culte travaille pour les dieux. Ça m'étonne pas du culte en même temps, hein. Ça m'étonne pas de... Bon, allons-y. Attendre. Juste oui, oui, attends qu'on arrive. Juste attends qu'on arrive. On en a pas pour long, hein. Il l'utilise maintenant. Attention, faut qu'on se rapproche. Ah non, non, il va pas l'utiliser. Non, non, il va pas l'utiliser maintenant. Il va attendre que j'ai fini de looter. Et quand j'aurai fini de looter, il pourra l'utiliser, y a pas de problème. Mais d'abord, il me laisse... On passe par là ou on passe pas ? À mon avis, on passe par ici, là. Tiens, tu fais ça, tac, et on descend. Et allez, ça, ils adorent l'été. Oulala, oulala, Albin Bataris. Les Venatoris n'ont pas besoin de cette relique. Ok. Vous êtes là pour m'arrêter. Personne n'arrête les Venatoris. Mais... J'ai pouvoir. Va quoi ? Impressionner un dieu affranchi ? Loupé. C'est le moment d'en finir. Attends. Ah. Ennemi nous cadavre. Ah. Tiens, dans ta face, quoi. Oh putain, ça fait mal. Tiens dans ta face, toi. Bon. Ok, stop. Stop, si tu voulais bien me healer, s'il te plaît. Merci. Allez. On en finit maintenant. Voilà, on en a fini maintenant, je confirme. Alors, maintenant, il faut qu'on s'occupe de l'autre. Ouais, ouais, attends. Attends, il est où, le con? Dans ta face. Et poum. Et poum. Ok, un de moins. Ok, on a retrouvé de l'énergie. Ok, les gros, lui. Ok, les moches. Attends. Bon. Tu dégages. Une attaque à distance. Allez, paf. Touch.
Tac. Loupé. Quoi, oh, il fait mal. On nous tire dessus. Mais j'ai bien vu qu'on nous tire dessus, merci. Alors, tu commences à me gonfler, toi. Le pouvoir des Venatori s'intensifie. Dégage. Cette partie est à moi. Ok, maintenant c'est à nous deux. Alors, tu vas. Il est où le applique fissure et le fais péter la fissure. Vas-y. Et poum. Ah, tu fais moi le malin. Putain, il en a refait venir d'autres, c'est pas possible. Ok, on va toucher un petit peu. Bon. C'est bon, ça passe. Pour les stages, ça passe. D'autres démons, on doit pas les laisser s'échapper. On doit les arrêter. Mais non, tu dois surtout buter l'autre là. Que je fais pas m'en sortir. Ah non. Si, c'est bon, on l'a eu. Vous ne pas déconner quand même. C'est fini. Et c'est vous qui êtes derrière tout ça. Je vous connais. Vous travaillez pour les félins. Trafiquer, je comprends. Mais le lyrium rouge. Travailler avec les Venatori. C'est pas votre style. Les non. Voilà. Mon fils n'est pas cultiste. On l'a gravement fourvoyé. Merci pour tout, chevalier capitaine. Allons-y. Bien tenté. Les Venatori l'emportent. Ça, le petit Malfoy là, petit con, va. Bonjour, monsieur. Vous savez qu'il est coupable. Combien ça a coûté au magistère? Attention, Galus. Ou vous serez accusé. De quoi? Je résous une affaire et vous défaites mon travail. Ça vous rappelle rien? Épargnez-moi vos jérémiades. Vous avez arrêté la trafiquante. Ou vous voulez que Bataris la fasse sortir aussi? Je vais trouver un moyen d'arranger ça. C'est pas vrai. Pittoresque cette visite, mais oui. C'est une journée typique, Aminrati. Comme tout le reste. Dire que je pensais qu'on allait saluer les dragons de l'ombre et rentrer. Faut pas rêver. On a récupéré la relique et la trafiquante. Et les dragons vont surveiller le culte. Si ça mène aux dieux, ils nous préviendront. C'est pas parfait, mais c'est déjà bien. On peut pas faire tomber tout le monde, surtout ici. Ce n'était pas la fin idéale, mais les docks étaient sauvés. Des démons de ce soir, au moins. Le passé de Neve revenait la hanter. Mais elle l'ignorait encore. Qu'est-ce qu'on ignore comme truc, quand même? Tu n'arrêtes pas de nous en parler, mais on l'ignore. Comment ignorer ce dont tu nous parles? C'est étonnant, tout de même. Allez, quête accomplie en quête sur une relique de contrebande en suivant une piste des dragons de l'ombre et un renseignement de Rana, Giovanni, Rama, le contact de Neve, la boiteuse parmi les Templiers. Cette dernière empêchait le Venatori Albin Bataris de s'emparer d'une dangereuse relique. Neve a été surprise par l'implication des félins, un groupe criminel qui ne travaille d'ordinaire pas avec le culte, mais tout peut changer. Malheureusement, le richissime père de Bataris, c'est un sacré bâtard, a versé des pots de vin pour tirer son fils de ce mauvais pas. Cela a beaucoup contrarié Neve, mais c'est le quotidien de Minrati. Elle doit se contenter de cette demi-victoire. 2500 de récompenses, et on a trouvé des notes détaillées. Bibelot, Neve, atypique, boum. Ah, c'est un bibelot pour elle. D'accord, bah on peut lui équiper. Voilà, ça c'est fait les enfants, continuons. Je devrais aller nouvelle voir si Neve a du nouveau. Mais oui, on va aller voir si Neve a de nouveau. Nous sommes de retour au phare, les enfants. Niveau 9, c'est extraordinaire. D'ailleurs, faudrait peut-être que je fasse les niveaux de notre ami Georges. Oh, Georges est bleu.
Oui, Georges a des bleus, il est tombé, on lui a tapé dessus. Georges a des bleus, mais Georges reste roux. Ah oui, 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 oui. Et même quand il pète, parce que la roupette... pardon, ah, elle était facile, celle-là, je sais. Oui, je sombre dans la facilité par moments, c'est terrible. Allons faire le point avec Neve. Manifestation. Manifestation. Si tu veux, on peut améliorer la boutique. 500 sur 250. Trouver des souvenirs dans Tedas pour augmenter la connaissance de la vigie, augmenter le nombre d'améliorations. Vas-y, j'améliore. Bah ouais, c'est fait. Rendre atelier niveau 2. Voilà, 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 voilà. Bah non, mais on est bien là. On est bien. On est bien. Allez, on améliore. Qu'est-ce qu'on peut améliorer? Est-ce qu'on peut l'améliorer, elle? L'améliorer la ceinture. La ceinture, elle est équipée. C'est fantastique, cette ceinture. Ceinture curative rare. On peut la faire passer à 955 soins. Et kit de teinture 2. Ceinture curative rare. C'est génial. Pouf. Voilà. Ça, c'est de la ceinture. Ça, c'est top, ça. Ça je pense qu'on n'a pas trop de difficultés à la modifier. C'est plutôt pas mal, je pense. Là, il y a l'épée longue de l'envoûtement avec laquelle on est équipé. La hache d'écumeur gravée, hein, sur laquelle on est équipé également. La grande hache ordinaire. Alors, mon épée, on peut la faire passer niveau supérieur. Elle fera plus 16 de dégâts, plus 16 d'ébranlement. Vas-y, fais péter. Ah, c'est bien, c'est bien. Quant au cerf-volant, c'est ce bouclier que nous avons. Lui aussi, on peut le faire passer à 132. Et avec du duramen, c'est 4. Regardez toutes les ressources qu'on a ramassées. On peut y aller tranquille, je pense, hein. On peut y aller à peu près tranquille. On peut aussi améliorer mon armure intermédiaire ordinaire qui va augmenter de 9 la défense et de 4% les dégâts de capacité. Ouais, vas-y. Ah, tu peux y aller. Et même au l'arme à deux mains, c'est peut-être pas nécessaire. Le silence de mort, le casque, par contre, vas-y. Oui, on a largement les ressources aussi. Tout ce qui peut augmenter notre défense, on va pas dire non, en fait, hein. Clairement, on va pas dire non. L'âge d'écumeur, par contre, je vais la laisser parce que ça, c'est du dégât demain, j'utilise pas. Par contre, je vais faire la même chose sur les items de mes camarades. Non, ça, c'est la main directrice. Hop, puisqu'on a mon fendoir d'écumeur. Là, actuellement, mon épée, elle est à 137, 114 d'ébranlement. Si je l'améliore, ouais, on sera quand même largement en dessous. Donc, non, effectivement, on va garder l'épée longue d'envoûtement. Ok. Qui est, je veux dire, on va garder, c'est le meilleur qu'on ait, les boucliers, il y a des trucs qu'il va falloir qu'on vende. Il va falloir qu'on puisse vendre tout ça, ce serait vraiment pas mal si on arrivait à vendre ça. Je suis équipé avec ça, et après il y a l'armure lourde, vous savez, la fameuse, mais il n'y a que 13% des dégâts de capacité. Moi je gardais mon 29% de dégâts de capacité. Si lui je l'améliore, on sera qu'à 15%, donc ça m'arrange pas. Non, mais je pense qu'on est plutôt pas mal. Ok, je vais faire ceux de mes camarades parce que je pense que sa tenue de camping, on peut encore l'améliorer. Par exemple, à Bebel. Hop, voilà. Et je pense qu'on peut améliorer son tempête. Voilà. Comme ça, elle va être au top, Bebel. Et ça va être la même avec... je vous avais dit de dire à Hardy. Je pense qu'on doit pouvoir l'améliorer. Tac, voilà. Et c'est la même chose avec son arme à côté pour l'instant. Tant qu'on a plein de ressources comme ça, on va pas s'embêter. Lucadis au poulet de Brubis, le fleuret des dieux, peut-être amélioré. On va carrément améliorer tout. Hein. Alors, on y va les enfants. On a peur de rien parce que Lucadis, je pense qu'il va faire un petit tour avec nous. Et Neveu la boiteuse, on fait la même. Voilà! Dans un premier temps, on augmente ce qu'ils possèdent déjà. Peut-être qu'après, on ira leur acheter des tenues ou des trucs supplémentaires, mais pour l'instant, c'est déjà bien. On a bien bossé ici. Et nous, go, on va voir donc la suite. Oh, Georges est agile. Georges est gros. Georges est roux. Mais Georges sait sauter. C'est fantastique. Poum. Allez, arrête de sauter comme ça et dépêche-toi. Hop, sésame, ouvre-toi. Neveu, bonjour les feufolets, tout ça. Bonjour. Qu'est-ce que c'est? Qui c'est qui veut me causer? Qu'est-ce que c'est qui veut me causer en bas là? C'est quoi cette icône? C'est Bebel! Bebel veut me parler. Bon, bah, on ira voir Bebel. On ira voir Bebel après parce que pour l'instant, on va écouter ce que la boiteuse a à nous dire. Les dragons de l'ombre disposent d'une planque dans les docks. On devrait passer les voir. Leur demander s'il y a du nouveau sur les Venatori. Déjà? Ils travaillent vite. Oui! Et maintenant qu'ils n'ont plus à se soucier de la relique, ils vont aller encore plus vite. Mais c'était il y a 5 minutes! Dans les docks. Mais on pouvait y aller directement!
Tu te rends compte que tu m'as fait rentrer au phare pour traverser le phare, venir te voir pour que tu me dises qu'on retourne de là où on vient, là où on était. Mais on n'avait qu'à s'arrêter dans une taverne, boire un coup, s'il bosse si vite et on y allait 5 minutes après, au doc. Tu nous as fait faire tout ce chemin pour rien. Tu voulais faire marcher Georges, c'est ça, hein? Tu trouves que Georges est gros? Ouais, je vois ce que c'est, d'accord. Bon, bah écoutez, on va aller voir Bebel, parce que Bebel, elle a peut-être des choses intéressantes à nous dire. Bebel, elle est à gauche. Ok, elle est là, la Bebel. Allez, Sésame, ouvre-toi, parlons à Bebel. Visitons Bebel. Non. Qu'est-ce qu'elle fait? Allez, j'essaie encore. On respire. Voilà. C'est une lampe de chevet? C'est un peu gros, hein. Ah, ça fait radio réveil. Allez. Bah, passe sur la FM si tu captes pas les grandes ondes. Désolé, c'est... Je casse tout. Bah, j'ai vu ça, ouais. Je peux essayer, moi, si tu veux. T'as besoin d'aide? Je pourrais, je sais pas. On voit bien le fond rouge des yeux de Georges et sa cataracte. Ça ressortait bien, là. Hein. Si ça casse, bien sûr. À quel point ça peut mal tourner? Tu sais, des déchirures dans la réalité, de l'énergie magique explosive. Et aussi, bizarrement, des abeilles. Je sais pas pourquoi. Ah, carrément, des abeilles. Je sais ah ouais. pas non plus pourquoi ça fonctionne pas. Je pensais avoir réussi. Mais il arrête pas de se casser et j'arrive pas à me concentrer. T'as réparé les luvianes pourtant. Les luvianes, c'était facile. Une fois le cristal de résonance remplacé, les lentilles de l'irium ajustées, il a bien fonctionné. Ouais, donc, d'accord. J'ai dû harmoniser les matrices. Mais il a fonctionné. Pas comme ce truc. Sois moins dur avec toi. T'es doué. Je le vois. Tout sur toi, tout en toi montre que tu es dû et tu vas y arriver. Tu te fais pas assez confiance. T'es intelligente, tu vas y arriver. Eh bien, merci de le penser. Non, c'est juste, je veux te sauter. D'ailleurs, c'est quoi au juste? C'est la Nadas d'Irtalen, la 8e archive. Il paraît qu'elle avait disparu à jamais, mais c'est bien elle. Elle sert à quoi? Elle contient des informations. Au moins tout ce que savait la personne qui l'a créée. Tant de connaissances. Toutes les merveilles de l'Elvenan. Ou du moins, des bribes. C'est déjà plus que ce qu'on a. Enfin, quand j'aurais compris le système. La personne qui l'a fabriquée était puissante, mais maladroite. Elle résonne à contre-temps. Je dois la synchroniser. D'abord, je vais introduire une micro-fracture. Mais avant, il faut les harmoniques de l'immatériel. Alors... Oh là 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 là, j'ai mal à la tête. Pardon, je parle toute seule parfois. Je divague. Mm-hmm. Ça a plombé beaucoup de mes relations. La plupart des personnes avec qui j'étais n'aimaient pas ça. Et je recommence. Encore. Moi j'aime bien quand tu dis vague. Comme le nerf vague. Hein? Ouais. Je pourrais t'écouter parler toute seule longtemps. Je vois. Pareil pour toi. Non, je cause pas, tu divagues. Tu devrais parler davantage. Ah oui. Enfin, tu parles beaucoup. Juste ce qu'il faut. C'est parfait. Bon. Bref, la Nadas d'Irtalen. Je vais y revenir. Bientôt. Mais j'ai besoin de faire une pause, pour me reposer. Je finirai plus tard. Ouais, ça marche. Pas de problème. Personnellement, je valide la sieste. Ah, crapuleuse. Jamais sous-estimer les bienfaits d'une petite sieste. Surtout crapuleuse. Bon, si t'as besoin de moi, fais-moi signe. Je serai prête. C'est tout? Les membres de l'équipe avaient trouvé la personne idéale. Une mandataire du voile, originaire d'Arlatan. Elle pourrait réparer leur miroir. Bellara, elle, avait trouvé autre chose. Un artefact contenant bien des connaissances oubliées. Mais un tel trophée risquait d'attirer beaucoup trop l'attention sur leur modeste groupe. Ouais, vas-y, on n'a pas peur d'un peu d'intention, ça va pas nous faire mal. Note de Bellarin. Dire que nous sommes dans l'ancien repère, foyer du loup implacable, je ne sais pas quel mot le qualifierait le mieux. Nous l'appelons le phare. C'est un lieu chargé d'histoire. On dirait une partie de temple. Est-ce qu'il aurait tout transporté dans l'immatériel? La quantité de magie requise pour ça serait phénoménale. Mais on sent qu'il y a mis sa touche personnelle. Je m'attendais à plus de dorure, à un trône peut-être. Mais d'après Harding, ça n'a jamais été le style du loup implacable. D'ailleurs, Harding l'appelle Solas, comme tous les autres. Je suis pas sûr d'y arriver.
Fenarel, peut-être ? Ça, je devrais pouvoir. Ah bah oui, forcément. Il a tellement de noms, Nico. Nous, on l'appelle Nicolas Canteloup. Il faisait même des blagues à ses heures perdues. Des imitations et tout. Oui, je vous assure. Note griffonnée, liste pour carton, très important de ne pas oublier. Site du complète, 4 bâtons d'harmonisation, collection de sagas de Tevinter, assortiment d'épices piquantes, 14 pots. Oui, on va blablabla, du savon, et une peluche de Hal. Ok. Très bien. Non, c'est bon, on a déjà vu, on peut ressortir, on remonte, et donc il faut qu'on retourne dans les docks à la croisée des chemins, c'est hallucinant. On est venu, on est reparti. Ok. Eh ben écoutez... Avance, recule. Si t'avances pendant que je recule, comment veux-tu. Mais du coup, de toute façon, faire, défaire, c'est toujours faire. Allez, go. Et on se rend jusqu'à la quête suivie. Neve, la boiteuse est toujours indispensable. Et on va continuer avec, je vous avais dit, de dire Harding. Et c'est bon. Il y a moins de monde que je pensais. Trouvons Ashur. Ashur ? La vipère. Il préfère qu'on l'appelle Ashur en privé. Il m'a autorisé à te le dire. Mais moi, des fois aussi, ça m'arrive de hachurer. J'hachure beaucoup. Mais bon. Ok. Bon, ils ont des coussins. C'est quoi, c'est un narguilé, ça? Ouais, mais ils ont peur de rien. Hein. Vas-y, tranquille. La Bible. Ça se pète pas. On peut pas ramener un ou deux bouquins à la maison ou pas? Non, visiblement pas. Alors, allons-y. Ok, je vais vérifier qu'il y a quand même pas un petit peu de loot, un petit truc qui traînerait, mais c'est pas l'impression que ça donne. Hein. On dirait bien que non. Les formes de portes sont toujours aussi extraordinaires. Bonjour, Ashur. C'est toi, Ashur? Ah oui, c'est le Covidé. Il y a un problème dans l'Anvalenim. Des engeances. Mais ces tunnels sont des passages sécurisés pour... Oui, je sais. On a dû condamner cette entrée. On peut vous aider. On a eu affaire à de l'Enclin récemment. Ces engeances doivent être détruites avant qu'elles ne s'échappent dans la ville. Si vous réussissez à passer, signalez que la voie est libre à la porte dissimulée. Bah on va passer, nous. Bah bien sûr qu'on va passer. Chachachure, ça, qu'on va passer. C'est ça? C'est ici qu'on va? Ah ouais, ok. Ah non, c'est merde, c'est le KGB, ça. Ah putain, ça se casse trop. Voilà, pardon. Bonjour! Je suis que son assistant. Ah bon? Bah écoute, bienvenue! Bonjour! Putain, il y a des gardes là-dedans, hein! Je m'appelle Hector. Je surveille l'entrée. Je m'assure que tout est calme. Ok, Rook. D'accord, bah. Enchanté. Enchanté! Faites attention, hein, là-bas. Ouais. Appelez-moi Georges, hein. Ça va le faire. C'est un marché, c'est quoi, c'est du loot ou c'est moi qui donne? Ah, je donne pas aux pauvres, ça va pas, non? Ça me fait moins d'argent pour moi, c'est moche ça. Non, t'es qui toi? Salut. Qu'est-ce que tu on veux? On m'appelle Tic. Ma mère me disait que je restais accrochée à elle comme une tique. Et que je lui pompais toute son énergie. Et tu ouais, pompes autre chose, je suis sûr de nos jours, hein? Ouais, je vois ce que c'est, ça m'intéresse pas. Bonjour monsieur, on peut commercer, mais j'ai pas l'intention de commercer pour l'instant. Bonjour. Pardon, je vous connais? Non, bah, c'est pas nécessaire de se connaître, non? On va par où? C'est par là, on dirait? Ouais, regardez. L'Anvalenim devrait avoir une entrée par ici. Le passage est caché par une sculpture murale. Des Venatori. Qu'est-ce qu'ils font si proche de la boutique? Bah, ils essayent de piquer le coffre! Loupé! Boum! Il y en a plus des Venatori. Oui, c'est ça. Il y a un interrupteur derrière la tête du serpent, à gauche. Une sculpture murale, ça? T'es sérieux? Ouah, Georges est agacé. Georges a besoin de se défouler. Georges va tout péter. Ah ah, non, c'est là. Alors attends. Ok, interagissons. Compris. Et encore ça va, c'est des escaliers. Alors. Je vais ramasser ça. Bon, moi je suis à 4 sur 4. C'est bon, on n'avait pas besoin. Ça va, on est au taquet sur les potions. Wow. J'ai tremblouillé sur mes jambes. Impossible de passer par ici. Non.
Faut qu'on se débarrasse de cet obstacle. Ouais, attends, faut trouver les sources, tu sais. Voilà, c'est ça, faut trouver ça. Tiens, tu fais de ça, tac. Hop. On récupère le bon pour le petit déjeuner gratuit. On peut passer maintenant. Bah oui, on peut passer, regarde. Et hop. Allez. J'ai de l'enclin sur moi. Les ennuis sont pas loin. Que je puisse quitter cet endroit. Les agents des dragons. Surprise! Boum boum boum! Attrapez-les! Et laissez pas filer chercher du renfort! Ah ah! Parade parfaite! Ne faut pas les laisser atteindre le repère des dragons de l'ombre! Encore des Venatori? On se concentre sur leur capitaine! Partout! Attention! Boum! T'es mort! Accompagnez à gauche! Beau travail! Attends, un finisher. Finisher là-bas. Tac. Faut se débarrasser. Il en reste de corruption, où les engins continueront de sortir. D'accord. Ok, je vois ce que c'est. J'y vais. Attention. Voilà. Trouver notre excroissance. Il y en a une deuxième. Elle est où, cette conne? Oui, oh, ça va, toi. Toi, tu fais pas le malin. Voilà! On nous attaque à distance! Oh, allez! Oh, tu commences à me gonfler, toi! Aïe, qui c'est qui va tuer qui? Pas de répit pour qui? Pour les croissants? J'aurais besoin d'aide là. Non, pardon. J'aurais besoin d'aide, s'il te plaît. Je vous avais dit de dire Hardy. Allez, c'est fini, donc. Venatori était dans le même camp. Boudou. Et ça m'inquiète. Au moins, c'est fini. Les dragons devraient pouvoir. Les dragons devraient pouvoir. Devraient rien du tout. Ils devraient rien du tout. Utiliser cette entrée sans danger. Trouvons-la pour leur dire de l'ouvrir. Voilà, un anneau sanguinaire. Plus 20 de saignement. Non, je préfère garder plus 10 de mon dégât d'armes. Ok. Eh ben dites donc, quel bordel, hein. Oh là là, il a fallu faire le ménage, Lendala. Attendez, parce que si jamais vous avez des potions, vous me faites signe. J'en ai vu plusieurs, hein. Ouais, voilà, c'est bon. Parce que là, je les ai toutes utilisées, les miennes. Et du coup, j'ai besoin de recharger tout cela. Voilà. Je vous avais dit de dire à Hardy. Ouh, et là. Là, regardez ça. Allons-y. Yo-yo. Ici c'est... Ok, ça, ça doit pouvoir se casser. Et il doit y avoir un petit peu de... Voilà. Cercueil de la magistère inconnue. Ah, objet souvenir. 6 sur... J'allais dire, putain, on en a déjà 6, c'est bien, mais sur 182. Ah oui, d'accord. Ah oui, 182. Vous êtes en train de me dire qu'il y a 182 items souvenirs et on en a 6. Ça, c'est la collectionnite à 2 balles. Ça, je ne pense pas que ça ait le moindre intérêt en l'occurrence ici. Hop. Dans certains jeux, la collectionnite aiguë comme ça, elle est plutôt pas mal parce que ça se raccroche vraiment à des éléments de... intéressant, on a le seul... Là, tu ramasses des objets pour dire que tu ramasses des objets, quoi. Je veux dire, là c'est voilà, pas... L'entrée cachée qui mène à la boutique. Ok, l'entrée... Tout ça pour aller dans une boutique, c'est un peu compliqué quand même. Attendez, il y avait pas un truc par terre, là? Ou c'est ramassé, là? C'est peut-être ramassé? Ouais, c'est ramassé, en fait. Ok.
Georges se défoule. Georges n'a rien looté ce coup-ci. C'est dommage. La voie est libre ici. Yo-yo, vous pouvez ouvrir. Je vais ouvrir la porte. Merci, madame. Contente de voir que vous êtes toujours debout. Je vais prévenir Ashur. Oui, s'il te plaît, Ashur. Ou une naine, ou un nain, je sais pas. Voilà. Un petit tour pour le loot aussi. Bon, ça ramasse rien par ici. Ah, par ici, c'est vraiment, ça paye pas le loot. Hein. Comment les Venatori ont pu trouver le repère des dragons de l'ombre? C'est pas un secret? On aide les gens des docks. Ils savent où on est. Quelqu'un a pu parler de la boutique. Les gens qui tiennent pas leur langue, c'est facile à gérer. Mais les engences, c'est pas pareil. Ah non, ça on est d'accord, c'est pas la même chose. Sale engeance. Mais en même temps, il n'y a jamais rien de secret. Tu sais, le secret, plus t'as de gardiens d'un secret, moins il est gardé, en fait. C'est tout le paradoxe du secret. Hop! Bon, on va faire part de la PAC. Pour l'instant, j'ai plutôt de l'impression de passer de salle en salle sans aucune logique. Vas-y, hop, on monte. On chemine pour cheminer. C'est la cantine, c'est le réfectoire. Bonjour, tu... Putain! Ouais, t'as allé voir un coffre, toi. Je te le dis, moi. Georges arrive. Georges est... Putain, je veux pas m'installer en dessous, moi. Si ça se casse la gueule du plafond... Mais tu finis, mais t'es tamponné, quoi. Littéralement, c'est un tampon. Et toi, tu sers d'encre, hein, pour le tampon, là. Bonjour, on est de retour, le Covidé. On vous en doit une, Rook. Ces engences allaient nous tuer. Oh, tu m'en dois déjà plus qu'une. C'était pas juste des engences. Il y avait aussi des Venatori, et ils se battaient pas entre eux. Comment c'est possible? Les engences s'attaquent à tout ce qui est vivant. Les engences sont viciées. Si les dieux contrôlent l'enclin, il est possible qu'ils contrôlent les engences. Ouais, alors bon, c'est peut-être un peu trop tôt pour tirer des conclusions, là, pour l'instant, hein. Essayons de ne pas tirer de conclusions tant qu'on n'a pas plus de réponses. Voilà, écoutez, Georges. Si vous cherchez des réponses à propos des Venatori, j'ai peut-être une piste. Un entrepôt, de l'autre côté de la ville. Ça grouille d'activité du culte. Mais et plusieurs cultistes se dirigeaient vers la boutique. Ça peut être une coïncidence ou quelque chose de plus grave. Ça vaut le coup d'aller voir. Je suis d'accord. Rook ? On y va. Un jour, on déplace des... Alors, allons-y. Ouh, Ashur. C'est le chef des dragons de l'ombre ? Il est pas tout seul. Il s'est fait un nom en libérant des esclaves et en soutenant leur rébellion. Il s'arrêtera pas tant qu'il restera des esclaves à Tevinter. Ouais, non mais il va pas changer la culture d'un pays comme ça, enfin d'un empire comme ça du jour au lendemain. Il va s'épuiser, c'est comme vider l'océan la petite cuillère. Hein. Dire, ça va quand même. Bon, je vais peut-être quand même aller commercer, je vous reprends juste après. Non, alors, non, moi, je vous reprends très vite, hein, parce qu'en fait, on peut toujours cacheter des trucs, on peut toujours pas vendre. J'ai pas d'option vendre quand je suis chez le marchand, c'est quand même bizarre. C'est l'un de ses noms. Il se fait appeler attends, je vais essayer celui-là, de vendeur. Si je commerce, je peux acheter. Ça, je peux acheter une hache à deux mains cristal, je peux acheter un jouet pour 101 balles. Par contre, même les items là ici qui sont des items de valeur, j'en ai plein. Impossible, j'ai pas d'interaction pour les vendre. Ah, donc je pète des thunes, mais je peux pas les vendre. Voilà. Alors ici il y a la trahison de Maferat Noir. Ah, c'est des apparences, on s'en fout des apparences. Ici il y a une hache à deux mains, je m'en fous. Et ici il y a un silence de mort qui deviendra. Ah, c'est pour augmenter mon. Ouais. Ah, ça coûte 1000 balles quand même. Ah ouais, la vache. Non, t'es sérieux, il coûte 1000 balles le machin? 1000 balles pour l'améliorer? Ou j'en ai 4700? Est-ce que ça vaut vraiment le coup? Plus 22% de dégâts critiques quand même. Ouais. Plus 18% de dégâts de capacité et 29% de défense. Ah, c'est pas pour la défense, mais j'avoue que... voilà, c'est pas mal quand même. Ouais, vas-y, on va le faire. 1000 balles, c'est parfait. C'est quoi? C'est rien, 1000 balles. 1000 balles, ça n'a aucun intérêt. C'est pas un souci. Là, il y a des cuir à la mode. On pourrait voir en plus gros ce que ça donne, parce que j'ai pas l'impression qu'on voit bien, mais c'est bon, ça suffit. Merci, papy. Oui, c'est bon, on y va. De toute façon, j'aurai de la thune quand je trouverai quelqu'un à qui revendre tout le bordel que j'ai. Parce que j'en ai des objets de valeur. Hein. Donc, il y a un moment, il faudra quand même bien
qu'ils acceptent que je les revende. Ou alors je vais finir ça sur le bon coin, moi. Bon, ça y est, la porte, elle était pétée. On peut l'ouvrir maintenant, la porte, ou toujours pas? Vous l'avez réparé, l'ascenseur? Ah oui, étonnamment, vous avez réparé l'ascenseur. Ah, le voilà. Ah, c'est sommaire, hein. Ça tient plus de la cage en bois sur le mur dans Game of Thrones qu'autre chose, mais... bon, ma foi, c'est pas les derniers... c'est pas les derniers cris de chez Otis, hein. Ça tremblouille d'ailleurs quand on descend, j'ai la minette qui vibre. Ce sont des Venatori. On est pas la manette, hein. Voilà. Private Joe. Ok. Bonjour monsieur. Ah ah, dans ta face. Étourdissement et boum, finisher. C'est tout bon. Vainquez les Venatori, donc ce qui veut dire qu'il y en a d'autres dans le quartier. Allons-y, faisons-nous plaisir. Oui, voilà, ils popent les machins. Allez les bestiaux. Oh, attends, Georges s'énerve. La fureur de Georges, boum. Ah, ça calme, hein. Ah, mais ça aussi, ça calme. Non, non, tu tapes pas. Pas taper, pas taper. Boum. Dans ta face, t'es mort. Ah, ça fait mal, ton truc, là, ça coupe. Paf, dans ta face. Attends. Là, ça suffit. Finisher. Ouais. Il crame, l'autre, il crame. Attends, il en reste un. Il en reste un, il est où? Boum. Ah, il a une humilité, le con. Ok. Tu commences à me gonfler, toi. Une immunité comment? Qu'est-ce que tu veux que je fasse de toi? Tu commences à me fatiguer, toi. Alors, je vais t'envoyer la fissure dans la tronche, tu vois. Vas-y, détonation magique. Putain. Ah, mais il est immunisé à cause de ça. Ok. Ok, j'y étais pas. Ah bah, d'un seul coup, t'es plus immunisé, là. Ah oui, tu fais plus le malin. Non, ça suffit pas. Va falloir prendre une petite potion. Hop. Putain, j'avais pas capté le truc. C'est verrouillé. Pouf. Il doit bien y avoir un autre passage. Pouf. Laissez-moi récupérer une petite potion, s'il vous plaît. Merci. Bien sûr que c'est verrouillé. Bien sûr qu'il y a un autre passage. Sinon, c'est pas drôle. Regarde, il y a une petite jarre encore derrière. C'est bon. Ça va. Le jeu est quand même pas avare en 1. Il est sympa, le jeu. Il n'est pas quand même avare en potions, donc on peut récupérer entre chaque combat, ou presque, ça va. Alors, c'est par ici, on peut grimper, poum. Attention, 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 attention. Allez, coupé. Allô, merde, j'ai pas été assez rapide. Vas-y, viens, viens, viens. Ah non, j'avais réussi à bloquer, là, oh. Vas-y, vas-y. Eh, j'avais fait encore, putain. 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 Non, parce que... Putain, d'un ennemi à l'autre, le temps de... Le temps sur l'interaction, c'est pas le même. S'il te plaît. Je l'ai dit de dire Hardy. Putain, ça fait trois fois que je le bloque là, que ça marche pas. Eh, ça fait moi le malin là, hein. Putain, là par contre c'était... On aurait dû éviter. Ah, c'est... Putain. Oh, ça sert à quoi que je bloque là? Putain. Oh là là.
Attends, parce qu'il faut que je vous avais dit de dire à Hardy, il faut qu'elle me soigne, là. Là, j'ai plus de potions. Il suffit que j'ai dit qu'il soit pas avare pour que d'un seul coup, le jeu m'oblige à tous les dépenser, là. Putain, j'en ai chié sur celui-là. C'est bizarre parce que il y a des moments sur les ennemis. Alors, l'aura qu'on a au-dessus de la tête qui détermine qu'on va prendre un coup au corps à corps. Ça, c'est bien gentil, d'accord ? Il n'y a pas de souci. Sauf que derrière, on a l'icône qui passe au jaune. Et généralement, on a le temps encore d'appuyer. Sauf que là, selon l'ennemi, bah, ça va plus ou moins vite. Ils ont pas, il n'y a pas tous la même durée. C'est ça qui est bizarre. Et plusieurs fois, je suis sûr que je l'ai bloqué dans les temps. Et malgré tout, j'ai pris des dégâts alors que j'aurais pas dû. Très bizarre, ce combat. Allez, on y va. Attends. Georges, va looter d'abord. Georges, s'il te plaît. Et puis on est revenu au Ah oui, on est revenu au début. Ah bah j'ai rien à dire, on loote rien, y'a rien à looter. Ok, 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 ok. Non, ça, ça doit exploser. Alors, bonjour messieurs. Leur puissance est irréelle. Eh oui, notre puissance est irréelle. Allez, on va entrer par là. Ok, tu peux me mettre un petit poussée d'adrénaline, chérie? Merci, ma grande! Serre un canon! Merde! Ah oui, putain! Et là, oui, je t'achève! Suffisait de demander! Achève-moi, bah c'est fait, voilà, je t'ai achevé. Niveau 10. Vas-y, ne pétez pas les tonneaux là, hein. Poum! Ah bah j'ai Georges descend comme ça hein, je veux dire. Pourquoi vous vous embêtez à prendre une échelle? Y'a pas de dégâts de chute dans le jeu. Bah tiens, par contre si je trouvais des potions sur mon chemin là pour le coup ça m'intéresserait. Hein. Pour le coup ça pourrait nous aider s'il vous plaît, petite potion en passant. Bon, à tout le moins, je vais demander à je vous disais, dire Hardy de vous soigner. Puis on va attendre la recharge avant de s'attaquer au prochain combat. Comme ça, on est vraiment armé au max. Ah bah, il y a un petit coffre par ici, regardez ça. Un anneau de fumée atypique. Plus 15 de dégâts de froid, m'intéresse pas. Attendez, je ramasse des trucs. Wow, wow, là on descend. Hein. Je suis pas sûr qu'on puisse remonter après. Hein. Enfin, si... Ah bah si, de toute façon c'est le chemin. Quoique, la porte là... Non, elle est loquée la porte. C'est pour ça, c'était bien le bon chemin. Ok. Fouillons l'entrepôt. Pouf. Comment? Commençons par les arrêter, on verra ensuite. Ouais, bah il y a un Hurlock grillé là-dedans, là, lié. Mais Ils utilisent la magie pour contrôler cette engeance. Il faut arrêter ça. Arrêtons-les. On ne peut pas laisser s'échapper des engeances dans la ville. Ben j'aimerais bien, mais t'es marrante. Vous avez reçu des... Hey, tu me vises pas, toi! Allez, t'es mort! Ou presque! Voilà, un autre! Allez, c'est bon! Ok, tu peux me soigner, s'il te plaît, Hardy? Oui, à l'attaque! Pour continuer le combat dans les meilleures conditions possibles! Oui, bah, c'est pas gagné, ça! Ok, merci! Ça faisait longtemps, dites donc. Ah bon, on peut pas me réanimer. Non. Non. On peut pas me réanimer. Arrêtez. Allez. On peut pas laisser s'échapper des engeances dans la ville. Wow.
Allez! S'il te plaît, Didi! À tes ordres! Merci! Attention! Ha! On nous attaque de loin! Ok, j'en ai eu un! Ou pas! Faut dégager! Ok, tout va bien, 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 vous inquiétez pas! On gère! Ah, je reste pas là, moi je veux bien, voilà! Ouh! Attends, pause! Vas-y, re-soigne-moi encore! Partout. Attention. J'avais remarqué! Ok, la mobilité, c'est la vie! Allez, on en a eu un. Allez, le deuxième. Sur la droite. Ouf. Ah, ça fait mal. Loupé. Attends, Hardy. Coucou. Ah, tiens, la pause. Alors, vous m'envoyez la fissure et vous me détonnez la fissure, s'il vous plaît, maintenant. Et voilà le travail. Coupé. On l'a eu, non? Pas encore. Avec les on l'a eu. On fouille cet endroit et on découvre ce qu'il faisait. Ah putain. Attends. Alors l'ennemi qui disparaît en lâchant un coffre direct sur place, sur de rapidité. Alors avec une défense qui sera quand même moins bonne et des dégâts de capacité par contre nettement meilleurs. Alors je sais pas, mais les dégâts de capacité c'est pas mal, c'est quasiment, j'ai pas le double, mais c'est 50% de plus quand même. Et si jamais on l'améliore, mon truc, j'ai plus 25 sur les amorces. Après, j'ai plus 25 de dégâts contre les barrières. Franchement, le cure de rapidité, il est nettement meilleur. Même si on perd un peu en défense, mais je pense qu'on le récupérera en améliorant l'item. Donc, je vais m'en équiper. Par ailleurs, on va lire tout ce qu'on a ici. Lire. Chevalier Capitaine Lennos, nous sommes bénis de pouvoir compter sur un ami aussi loyal que vous. Continuez à nous servir et vous serez largement récompensé. Pour la gloire et la renaissance de Tevinter. Ah là 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 là. Le chevalier capitaine Lennos des Templiers okay. De Venerati est soudoyé par les Venatori. Eh merde. Quelle surprise. Ça sautait aux yeux pourtant. Ouh, couvre-chef d'ombre et de lumière. Une défense de moins 1. Mais on a plus 20% de dégâts critiques actuellement contre 25% de dégâts de détonation. Est-ce qu'il vaut mieux les coups critiques ou est-ce qu'il vaut mieux les dégâts de détonation? Franchement, je pense qu'on va aller sur le couvre-chef d'ombre et lumière. Ouais. Au niveau détonation, c'est pas mal ça. Là, j'ai pas pu l'utiliser aussi souvent que j'aurais voulu. Parce que le problème était que j'étais un petit peu... Tiens, d'ailleurs, on va demander à Hardin qu'elle me soigne. Donc, je suis en train de blablater, ça peut être pas mal. J'avais plus assez de potions. Donc, en fait, à chaque fois que je pouvais, je me suis fait healer un petit peu par Hardin. Du coup, la détonation, on l'a utilisée une fois seulement pendant le combat. C'était un peu embêtant. Les dragons de l'ombre nous observent. Ne les laissez pas s'approcher. L'emplacement précis de leur repère est inconnu, mais ils utilisent ces catacombes. Envoyez des engeances pour les éradiquer. D'accord, bon bah. Les engeances qu'on trouve sans arrêt dans les catacombes. C'est ça. Au moins, ils ignorent où se trouvent les dragons de l'ombre. Pour l'instant. Mais combien de temps? Ah, combien de temps vont-ils les ignorer? Ça, je te le dis, c'est autre chose. Pas par là, on peut pas passer.
Et pas par là non plus. De toute façon, c'est la trappe qu'on a vue, c'est certain. Et cette trappe-là, nous l'explorerons, mais nous l'explorerons lors du prochain épisode. Les enfants, ça suffit pour aujourd'hui, c'est très bien comme ça. Papy va prendre le temps de se reposer deux secondes. Et puis, on va laisser, je vous avais dit, de dire Harding, de pouvoir cette chère dentelle. Elle est pas fine comme une dentelle, non. Mais comme ma petite crêpe dentelle, je vais l'appeler comme ça, ma petite crêpe dentelle. On va la laisser, voilà, la recharger ses compétences, on va pouvoir y aller, mais ce sera pour le prochain épisode. Moi, je vous fais tout plein de gros poutous, les enfants. N'oubliez pas le pack YouTube, pouce, partage, abonnement, cloche et commentaire, comme d'habitude. Passez une excellente fin de journée. Rendez-vous très très vite pour la suite des aventures de Georges. Georges est gros, Georges est roux, mais Georges est fort. Hein, sur Dragon Age, la vieille garde, ou pourquoi pas, sur un autre jeu, c'était Papy Online. From Tevinti à Minrati, à vous les studios. Ciao.